Bonjour tout le monde, ici moi Tacman, puis aujourd'hui on a nos deux two drops dans notre main de départ, donc yes, on est en business. Bon, ok, donc ouais, deuxième match. Oh, beaucoup de laine par contre. Ok, Akum Stonewaker va faire de la job, je vais faire tellement d'Elemental avec ça là. Vert noir. Cooling Drone, ok. Je vais sûrement me bloquer s'il attaque avec. Oh mon dieu, qu'il y a du laine là. Blister Pod aussi, ok. Bone Splinters, tuer mon Oran Reef Invoker, ok. Donc il veut vraiment me faire de dégâts ici. Malheureusement, avec mon Akum Stonewaker, ça me tenterait pas vraiment de bloquer, je pense. Il va tout exiler mes non-land. Oh, Rolling Thunder, non! Ok, donc. Ouais, on va y aller avec Akum Stonewaker. Peut-être que Beastmaster c'était pas une mauvaise carte à piger. On a justement toute la mana pour jouer. Mais ouais, disons que j'aurais aimé. On a ça, il y a deux cartes des mains. Mon dieu, il y a mulligané vraiment beaucoup. On va laisser ça passer. On peut bien se prendre un petit peu plus de dégâts. Touch of the Void. Oh! Oh, des laines! Ok. On va justement payer le mana pour parce qu'on n'a rien d'autre à faire ce tour-ci. Oh, on a ça, il y a du Morgane, ça se peut pas qu'il y ait juste la deux cartes en ce moment. Là. Ben oui, il exile le token. Bon, il fait plus de dégâts que lui, il nous en fait, je suppose, donc c'est déjà ça. Un autre Calling Drone, ok. On va prendre le 3 de dégâts. Pilgrim's Eye, ça aussi j'aurais aimé ça, puis ça. Ah, bon, on a pigé notre Ireland de toute façon, donc on est correct. Donc ouais, là on a toutes nos couleurs de mana, puis on a ben du mana. Et ouais, tu sais, on va attaquer avec les deux. Sûrement qu'il va bloquer ici. Oh, il laisse passer. Intéressant. Ça me dérange pas trop. Donc je pose là, non, une fois autant de dégâts que nous on lui en faisait. C'est tellement n'importe quoi, cette game-là, on fait juste genre se fesser non-stop. Exert Influence, j'aurais aimé ça l'avoir. Puis c'est quoi l'autre? Valagric, non, il pogne juste des bonnes cartes. Il a pas pogné genre une carte que je voulais pas piger. Bon, ok, c'est pas grave. On va jouer notre laine. On va pas faire de token cette fois-là. Nope. Mais on va faire un Tadjuru Beastmaster. Puis ouais, on va donner plus 1, puis attaquer pour 3. Puis après ça, on va pouvoir jouer lui, donner Trample plus 1. On devrait être correct. Oh, wow, what the fuck? Scar from Existence? Ok. Ah, c'est assez bon ça. Donc il va pouvoir me faire tomber à 4 de vie? Ok. Ouais, c'est pas mauvais. Il drain un Kai. Bon, ça je pense que j'en ai pas vraiment besoin. Est-ce quoi l'autre carte qui m'a dit? Tadjuru? Ouais, elle, j'aurais aimé par contre. Sludge Crawler en plus. Fuck, lui il est vraiment bon ici. Ok, From Beyond, qu'est-ce que ça fait ici? Ça fait pas grand-chose pour moi. Je vais faire un land puis le fesser avec. Parce que j'ai pas assez pour jouer Undo plus From Beyond. Donc ouais, je vais juste faire un land puis l'attaquer avec. Yup. Je peux le pomper combien de fois ici? 1, 2, 3. 3, ok. Donc je peux le bloquer avec mon undo et être correct. Après ça, je vais être un petit peu dans la merde par contre. Donc ouais, cette game-là, je pense que je vais la perdre parce que genre j'ai juste pogné des laines, c'est pas d'ailleurs. Donc on va attaquer de même. Je peux toujours piger mon Touch of the Void ou Rolling Thunder. Je crois qu'il m'en a pogné deux. Ok, ouais, il pump. C'est correct ça. Sinon, je peux peut-être faire From Beyond puis sacrifier pour aller chercher de quoi. Peut-être jouer War Color que. Une autre carte, j'aurais. Ouais, ça m'aurait pas dérangé de piger. Fuck, là j'ai deux créatures à tuer. Oh, yes, Brood Monitor. Parfait. Ok, donc 1, 2, 3, 4.
6. Ah, ça vaut pas la peine de genre sacrifier mes Scions pour ça. Oh, tiens, oh, je vois ça de même. Ah, il se quoi qu'il y a plus encore, lui? Un autre Calling Drone, ok. Waouh, il en est tombé, il était de ça. Ok, montagne. Peut attaquer avec ça, me semble. On va mettre un From Beyond. Sais pas trop qu'est-ce que je pourrais aller chercher avec ça, par contre. J'ai mon gros Eldrazi qui me gagne la vie, mais à part qu'il n'y a aucune carte exilée, donc dans ce cas-là, c'est pas super bon. Ah, et puis j'ai encore une carte qui peut jouer, Colin. Brood Hunter Worm, ok. Pas vraiment de bonnes attaques ici. Donc, on va continuer à se faire des tokens à tous les tours. Une montagne, parfait. Moi, on va jouer ça. Puis, tellement de laine. Non, je peux pas vraiment attaquer ici. Pas avec Brood Monitor. Faudrait juste que, comme lui, se mette à piger des laines, là. Ça m'aiderait un petit peu, ça. Il faut pas qu'il puisse dominer tout le monde pour me faire 2 de dégâts, ça serait pas bon. Fight. Ok, c'est correct ça. Est-ce qu'on va m'attaquer avec tout? Ok. Donc ouais, on va genre double bloquer ici, comme ça. On va bloquer genre comme ça, puis comme ça. Ok, là on va sûrement activer lui ici. Non, on va l'activer à notre prochain tour. Juste pour quand même pouvoir faire notre Scion ici. Encore un land, ok. Donc, on va aller chercher. Ouais, un Rune Processor, c'est genre le seul qu'on peut pogner. Ah, pas grave, il va faire la job pour l'instant. Oups, un land de trop. Tiens, on va jouer ça. Yup, yup. Ok, donc là, faut juste qu'il arrête de top decker. Ah, Kaline. Ah, fuck, Silent Skimmer. Tabarnane. On va perdre la game, on peut rien faire contre ça. Encore un autre land. Wow, c'était quoi cette game-là? Sérieusement, c'était quoi cette game-là? Ok. Je sais même pas trop ce que je veux contre lui, genre. Peut-être un natural aggression, il a l'air d'avoir beaucoup de petites créatures. Mais qu'est-ce qu'on enlève pour ça? Il n'y a rien que je veux vraiment enlever. Ah non, on va garder ça de même. Ouais, c'était game là, c'était tellement weird, mais ça. C'est juste genre, il a comme été super aggro, il disait comme. Toute une gestée de haut point de carte pour de juste piger des laines. Puis... Pourtant, je suis pas sûr qu'il avait mulligané comme vraiment beaucoup. En tout cas, on va commencer. Oh, nice! On a déjà Tadrew Stalwart pour. Pour 3 couleurs. Donc, ça, c'est assez bon. Donc, ouais. Dernière game, je sais pas. Mais ça, j'ai juste. Je filais juste qu'elle était vraiment weird. Ok, il y a Sludge Crawler tour 1, bien sûr. Puis, ouais, c'est pas vraiment un problème, là. Je veux dire, il va nous fesser une fois avec. Il va nous miller une carte super bonne, mais après ça, on va jouer Tadrew Stalwart pour devrait être correct. Ok, il pump. Ben correct. Je préfère décidément qu'il pump plus que, tu sais, qu'il joue quelque chose d'autre, là. Ok, Val'Abigate, ça aurait été vraiment bon. Puis, tiens, Tadrew Stalwart. Bang! Puis après ça, on va voir From Beyond. From Beyond, c'est le fun quand tu peux le jouer tôt dans le game. Parce qu'après ça, tu sais, il fait de la job. Parce que c'est vraiment le genre de carte que plus longtemps que ça reste en jeu, plus que, tu sais, ça te donne de la value. Donc. On pourrait faire un Hot Number là-dessus. Ça serait pas. Déraisonnable. Mais. Nah, moi, juste tout de suite y aller avec From Beyond. J'attaquerai pas. Mais ouais, tiens, From Beyond devrait faire la job ici. Ok, donc là je vais avoir Hot Number que lui aussi devrait faire de la job puisque je vais avoir de la créature en jeu.
Reclaiming Vine, ok, il a mis ça puis son symbole, ok, ouais, c'est assez bon, donc ouais, ça pète un enchantement. Ok, donc maintenant on peut pas faire grand chose de bien différent, mais je vais attaquer avec Tajou, Stalwart. Je veux dire, ouais, ça, il y a pas vraiment de bon bloc ici, puis je vais juste faire Call of Science. Puis garder du mana ouvert pour Outnumber. Et ça se peut bien que j'utilise sur son Sludge Crawler. Ouais, je pense que je vais juste le bloquer puis attendre qu'il pompe. Ouais, je vais genre double bloquer ici. Ouais, sure. Ouais, sure, je suis bien correct de même. Même s'il pompe pas, en fait, je suis bien correct. Il pompe. Il pompe, donc. Ok, donc je vais juste faire Outnumber tout de suite, je suppose. Ouais, on va faire Outnumber. Pour lui faire un petit 3 de dégâts là-dessus, je suppose qu'il peut faire un autre pump pour monter à 3 de toughness, mais ça change pas grand-chose. Donc, ouais, c'est bon, il a fait perdre un petit peu son tour. Là. Ah, peut-être qu'il va avoir genre un Calling Drone à jouer, mais. Ouais, c'est un Calling Drone, mais hein, c'est pas si grave. Touch of the Void, ok, on pourrait tuer ça puis attaquer. Ça serait intéressant, ou peut-être tuer elle ici. Je sais pas, ça me tente de jouer un petit peu aggro. Donc, ouais, on va faire Touch of the Void là-dessus. Ça va nous faire une créature exilée pour quand on va jouer notre Rune Processor. Donc, tiens, 5 de dégâts. J'aurais pu le faire sur elle pour l'empêcher d'avoir du mana, mais. Non, je sais pas, j'aime ça de même. Ok, Demon's Grasp sur Tajru Stalwart, c'est vraiment pas la fin du monde. Ok, un land, c'est bon, donc on peut jouer Tajru Beastmaster. Puis, fessé pour 4. Dang, nice! Peut-être que contre lui je veux Boiling Earth ici à cause de ses Sludge Crawler puis à cause de Lifespring Druid, je suppose. Je sais pas. Nah. Ouh! Exert Influence? Sur genre. Lifespring Druid, je suppose. On peut même faire ça. Donc on va se voler un petit Mana Dork ici. Pas pire, donc ouais, il la tape tout de suite juste parce que de toute façon, genre. Parce que comme ça il me la donne taper au moins, mais bon, pas grave. On va attaquer pour 5. Puis ouais, je dirais qu'on est en business. On est toujours à 18 de vie, puis on a un méchant bon board. Bon, du moins comparé à celui de notre adversaire, parce que Voracious Gnoll, c'est pas ce qu'il y a de plus malade au monde. Ok, donc est-ce qu'on met Roll Mage's Trick aussi? En fait, ça serait pas pire. Ouais, je pense que je vais essayer Roll Mage's Trick. Le plus gossant, juste parce qu'on a comme pas beaucoup de bleu. Moi, je sais pas, je pourrais mettre un bleu de plus dans le deck, mais. Est-ce que je fais ça? J'enlève. Ouais, je pourrais bien enlever une Forest puis mettre une Island. Bon, ouais, il faut aussi que j'enlève quelque chose d'autre, hein, par contre. Peut-être Stone Waker. Hein. Ça n'a pas l'air malade. Il y a beaucoup de Scion puis juste de petites créatures pour attaquer à travers. Non, tu sais quoi, je vais juste laisser le deck comme il était. Tiens. Bon, là c'est de l'adversaire qui commence malheureusement. Il y a un deck un petit peu agressif, donc c'est une bonne chose pour lui de commencer. Puis ce qui est bon pour lui, c'est pas bon pour nous. Il y a un deck de 41 cartes. Ok. Ah, juste un land. Non, on peut pas garder ça. Mulligan. Ah, ça, on peut garder. Donc, ouais, Pilgrim's Eye, il va falloir qu'il fasse un peu de job. Non, pas Tetris Stalwart. Malheureusement, on a juste une couleur ici. Ok, pas de petit Sludge Crawler tour 1, donc c'est bon. Donc, ouais, il faut que je pige un autre land par contre, mais. Les chances sont bonnes que j'en pige un. Yes! Donc, tiens, montagne. Et on va sûrement jouer Vile Aggregate avant de jouer Pilgrim's Eye, juste pour pouvoir bloquer. Là. Snapping Gnarled, ok.
passer. Qu'est-ce qui mille montagne? Bon, c'est pas si grave ça. Ok, donc ouais, on va l'aggregate tout de suite. L'adversaire il joue vite par contre, donc ça j'aime ça. Contrairement à notre dernier adversaire, dernier match là, c'était un petit peu pénible là. Disons que ça a duré un peu plus longtemps que ça aurait dû. Okay, donc là il va attaquer avec les deux. Je vais bloquer bien sûr le Gnarled parce que il fait un peu plus de dégâts. Puis ouais, moi je vais jouer Pilgrim's Eye puis aller me chercher une island. C'est mon plan. Forest, ok, ça me dérange pas ça non plus. Oh, il fait le fight en plus, ok, pas pire, pas pire. Donc il peut me le tuer. C'est assez bon, ça, c'est assez bon. C'est bon pour lui, moins pour moi, mais pas grave. Donc tiens, Pilgrim's Eye, on va aller se chercher une island. Yup. Puis ça va être tout pour ce tour-ci pour nous. Prochain tour, ça va être quoi alors? Dans le fond, on peut pas jouer grand-chose. Hein? Peut-être j'aurais dû prendre une montagne juste pour jouer Undo Champion. Ou pour pouvoir jouer Akum, Stone Waker, plus genre Alt Number. Just Oran Reef Invoker. Moi, j'aurais quand même aimé celle-là, mais c'est pas plus grave. Ok, montagne, c'est bon, c'est bon. Donc, on peut y aller Akum, Stone Waker, Alt Number. Juste Undo Champion. Ouais, je pense juste Undo Champion, ça va être correct. On va attaquer avec Pilgrim's Eye, puisque de toute façon, je pense pas qu'on va bloquer avec, donc ouais. Exert Influence va faire du bien ici, juste voler, genre une de ces créatures qui nous tape avec, donc Ok, donc, tiens, Trample. Donc, go go Pilgrim's Eye avec Trample. Puis, ouais, ok. Donc, il va. On est encore en voie de stabiliser. On n'est pas exactement stabilisé, mais on y arrive, lentement mais sûrement. Ok, Stone Fury. Hein, ça m'aurait pas tant tenté de le piger. Hein, je pourrais voler lui, hein. Ouais, je pense que je vais voler lui. Surtout parce qu'il est untappé. Je peux aussi faire genre Land, Hydrian Archive, Outnumber sur lui, genre. Ouais, je pourrais faire ça. Ok, on va faire ça. Donc, Land, Hydrian Archive. Ça me tente d'utiliser le plus de cartes possible dans ma main en ce moment. Puis, Outnumber. Ouais, sur lui. Puis, on n'attaquera pas. Si, genre, il joue un land pour le pumper, on va sûrement bloquer. Ouais, ok. Donc, on va pumper. On va bloquer Calling Drone avec Undo. Puis, on va bloquer lui avec Pilgrim's Eye. C'est pour ça que j'ai pas attaqué avec le Pilgrim's Eye. Ok, s'il attaque avec juste lui. Non, ça me tente de garder mon Undo, donc ouais, je vais juste bloquer de même. Il joue une bonne créature avec 3 de power. Ou moins. Reclaiming Vine sur l'Island. Ah, c'est assez bon ça. Là, je peux plus faire Exert Influence. Wow. Ok, ça c'est très bien joué de la part de l'adversaire. Touch of the Void, c'est pas mauvais. Donc, on va faire ça. On va jouer un Akum Stone Waker, puis juste faire le token, puis attaquer avec. S'il attaque encore, ça se peut que je fasse juste bloquer avec Undo. Land. Puis, bang, bang. Puis, ouais, utilise cette mana-là aussi pour faire le token. Puis, on va attaquer. Comme ça.
Puis on l'exile, bien sûr. Donc je suppose là, je veux juste pas voir son Silent Skimmer, ce serait de ça. Ok, ouais, je pense pas que je vais bloquer avec mon Undo ici, malheureusement. C'est pas malade, mais. Je peux pas juste, genre, laisser ça passer. Ah, complete disregard. Ok, s'il attaque avec les deux, je vais. En fait, je peux le laisser passer puis juste le tuer avec Touch. Pas facile, pas facile. Mais ouais, peut-être c'est juste ça que je vais faire. Chill, attends une minute. Ouais, on va le laisser passer. Outnumber, je suis pas super bon en ce moment. Ok, peut-être je vais utiliser mon Idrun Archive, essayer de piger de quoi, parce qu'en ce moment, j'ai juste pas grand-chose dans la main. Je peux toujours l'activer puis faire Touch of the Void, donc ça c'est bon. Ok, donc pas de laine à jouer, un petit peu dommage. En fait, non, c'était pas des mauvaises cartes que j'ai pigées là. Un Tantinella, mais pas mauvais. On va faire From Beyond, puis j'ai déjà la carte exilée pour Rune Processor, donc ça va être bon. Il va juste falloir que je me rende au mana pour, mais ça devrait pas être un problème considérant que j'ai From Beyond là. Bon, c'est quoi ça? Blister Pod? Correct. Lui, je peux pas le jouer tout de suite, donc. Ouais, on va juste jouer From Beyond. Puis, ça va être tout pour nous. Y a rien, c'est bon. On se fait un token. Ok, un land, j'aime ça. Donc, on peut jouer notre Rune Processor. On peut aussi jouer Tajuru Beastmaster. Non, j'aime bien Tajuru Beastmaster ici. Donc, on va pumper. On va donner Trample en plus. Nice. Puis, on peut attaquer avec lui, je suppose. On peut attaquer avec lui. Ça se peut qu'il y ait un Scour from Existence par contre, mais. Ouais, si il y a Scour from Existence, il va pouvoir tuer notre Tajuru Beastmaster. Est-ce qu'il a pogné Broodhunter Worm? Eh, c'est correct, Broodhunter Worm, on peut tuer ça avec Outnumber. Un autre token, nice. Ouh, Rolling Thunder. J'aime cette carte-là. Ok, donc on peut faire. Genre. On peut le faire pour combien? 1, 2. On le fait juste pour 4 en ce moment. Ce qui est pas exactement ce qu'il y a de plus malade au monde. Ouais, je pense que je vais juste attaquer avec genre lui ici. Il va peut-être essayer de genre double bloquer comme ça, puis je vais pouvoir tuer Broodhunter Worm. Je suppose. Ok, il bloque juste de même. Peut-être y aller avec un Rolling Thunder pour tuer ces deux-là ici. Donc, je pourrais aussi sacrifier mes Scions pour genre tout tuer, mais ça me tente pas vraiment. Donc, ding ding, ding ding ding. Comme ça. Ok, c'est un beau board, ça j'aime ça. Mais ça, il n'y a plus beaucoup de cartes des mains. Puis on peut gagner 5 de vie, donc ça c'est le fun. En espérant qu'il ne nous tue pas ce tour-ci, je sais pas trop comment il ferait ça par contre. Ouf, on a gagné. Ouais, c'était intéressant mon deck. Mon deck. Le deck de l'adversaire. Il y avait un deck comme vert, noir, aggro, avec des cartes qui sont pas super populaires en général, comme Calling Jones, pas vraiment malade, puis Broodhunter Worm non plus, Buster Pod non plus. Mais je sais pas, son deck. Il était bien agressif, ça c'est sûr, là. Il y avait du bon removal aussi, puis. Pas ce game-là par contre, mais. Ouais. Puis, ah oh oui, puis j'ai vraiment aimé son play avec Reclaiming Vine sur mon island dernier. Mais ce game-là, là, pour m'empêcher de jouer Exert Influence. J'avoue que ça c'était vraiment bon, j'avais pas pensé à ça, malgré le fait qu'il avait joué cette carte-là dernière game. Donc, j'avais pas pensé qu'il pouvait juste me péter mon island puis que j'aurais pu accès à Exert Influence. Donc, que j'aurais dû le jouer peut-être plus tôt. Mais, bah, c'est pas grave. On a gagné le match, c'est ça qui compte. Donc, hey, on va se ramasser en finale, puis ben, hey, c'était moi Tacman, puis je vous dis à la prochaine.